Bonne année ! En cette fin d'année 2021, j'ai voulu faire un vlog qui rassemblait les deux derniers mois de l'année. La vidéo sera peut-être un peu bordélique, donc j'ai essayé de résumer ça en chapitres, on verra bien. Alors j'avais remarqué qu'en ce moment, c'est peut-être déjà passé, mais les corsets reviennent vachement à la mode. Et ça m'a donné envie de m'en faire un, parce qu'il y a plein de petites marques qui font leurs propres corsets et qui ont l'air vraiment très chouettes, mais voilà, j'ai voulu tenter de faire le mien. Et j'ai voulu faire un réversible, que je puisse porter avec plusieurs choses différentes, donc un côté motif et un côté sans. Évidemment, je ne suis pas partie de rien, donc je me suis inspirée de cette vidéo. Voilà, je vous invite à aller les voir parce qu'elles sont assez bien expliquées. J'ai fait un mix de plusieurs vidéos, j'ai pas tout fait comme elle disait. Donc voilà, je fais un peu à ma mode. Et il y a aussi des parties que j'ai oublié de filmer. Donc j'ai commencé par imprimer le patron de cette vidéo aussi. En fait, je me suis rendu compte en cours de route que c'était trop petit, mais ça vous allez le voir plus tard. Donc j'ai rajouté un pan de quelques centimètres, je crois que c'était une dizaine de centimètres. Sinon c'était un peu petit, ça faisait vraiment un gros écart dans le dos et je voulais pas non plus le serrer tout le temps comme une malade. Thank you.
Retourner les bretelles, ça a été le plus dur. C'est toujours le plus dur pour moi, j'ai jamais compris la logique de ce truc-là. En plus, j'ai un loop turner, ou un, je sais plus quoi, comment on dit. Mais non, ça ne fonctionne pas. Mais je dois m'y prendre comme une clète, donc voilà. Donc j'ai dû demander de l'aide à mon copain pour qu'il me retourne tout seul, parce que j'ai vraiment galéré. Et j'ai pas filmé aussi le moment où on met les baleines dans le corset. Mais en fait, j'ai pas acheté des baleines normales, j'ai juste acheté des cordons de serrage, en fait, tout simplement, en plastique. Donc voilà, pour que ça coûte moins cher. Donc j'en ai acheté, je sais plus à combien il était. J'ai acheté un gros paquet, vraiment pas cher. Et donc j'ai pu faire tout le corset comme ça, en coupant et en limant le bout trop pointu. C'était juste pour prévenir que le 11 décembre, j'expose à la galerie Marc by Huberti Brain dans les Marolles, donc c'est rue Blaze au numéro 32. Voilà, ce sera une exposition sur le thème du jazz avec plusieurs artistes. Et alors, pour le jour du vernissage, le 11, on a prévu un petit concert avec Harry. On va reprendre des standards de jazz, mais aussi un ou deux de nos morceaux. Donc voilà, si vous voulez venir nous écouter et voir des jolies choses au mur, il faudra venir le 11 décembre à la galerie. Des bisous! Joyeuse fête! Catching cold.
On est le 8 décembre, malheureusement l'expo a été reportée à l'année prochaine. Puis finalement en fait des choses se sont bousculées ce mois-ci, donc on va pouvoir peut-être le faire, mais alors plutôt le 18. Donc voilà, ça a été une période un peu compliquée. Et pareil, mes vacances de Noël sont un peu tombées à l'eau, je comptais partir en France, puis finalement ça se fait pas. Donc voilà, je vais rester sur Bruxelles et je vais quand même prendre des congés, mais ça va pas être tout à fait pareil. Enfin voilà. Ça a été une période un peu bizarre là ces derniers temps. Tout était un peu ça se fait, ça se fait pas, puis beaucoup de choses sont tombées à l'eau, enfin bref. Donc voilà, et là aujourd'hui je reçois un appel d'Harry qui me dit désolé, y a pas mal de cas Covid dans mon travail, donc à mon travail. Donc il faut que j'aille faire un test, donc je pourrais pas venir pour la répète aujourd'hui, etc. Donc voilà, j'ai aussi habillé en couleur positive pour rester positive. Je vais répéter ce que je peux toute seule et on se fera une répète la prochaine fois. J'espère qu'il n'aura rien. Voilà. On verra. Back upon my cares and woes, here I go, singing low, bye bye, that bird. Et puis on est enfin arrivé à la chouette période de Noël où on décore le sapin. Cette fois-ci, je m'y suis pris vraiment très à l'avance. Je crois que mi-novembre, j'avais le sapin fait avec Tanguy. On avait envie de vite le faire.
Donc voilà, le mois de décembre devait être beaucoup plus disparate et on devait faire plus de choses. Et donc on s'était dit, on va le faire tôt, comme ça on en profite un maximum et voilà. Et là on est le 2 janvier 2022 et il est toujours là. Et j'ai filmé aussi un peu ma vie au musée, ce que je fais jamais. Déjà parce que je ne sais pas si je peux filmer. Mais aussi parce que ça dépend des semaines, mais il y a des jours où c'est pas spécialement intéressant. C'est beaucoup de nettoyage de photos pour les articles de découverte de nouvelles espèces ou d'articles sur des espèces en particulier et d'insectes. On me donne des planches de photos à nettoyer, donc des balances de niveau, mettre les insectes sur un fond blanc, etc. Des trucs basiques, mais voilà. Donc ça, c'est une partie de mon boulot. Et je fais aussi un peu de graphisme quand il y a des événements à organiser qui n'ont pas de graphiste, qui visent les insectes essentiellement. Bah, du coup, je m'occupe de ça. Donc voilà, comme ça, vous voyez un peu à quoi ressemble ma vie au musée. Les jours de présence varient en fonction de ce qui est des nouvelles normes, des mesures de l'État, etc. Mais de toute façon, le musée pousse un maximum au télétravail avec la crise actuelle. Et moi, ayant un boulot graphique, je peux me permettre de travailler à la maison parce que ça ne change pas grand-chose. Il y a vraiment pour les dessins techniques d'insectes, donc où j'ai besoin du binoculaire, etc., et des instruments sur place. Là, par contre, je dois être au musée parce que sinon, c'est pas possible. Mais voilà, pour l'instant, c'est essentiellement du travail d'infographie, donc je peux faire ça à la maison, c'est super. Alors là, je sors du musée et il fait nuit. C'est l'hiver. Yes. Je suis plutôt emmerdée parce que là, j'ai fini ça il y a un moment là maintenant, mais une affiche pour la journée d'études d'entomologie organisée par plusieurs organisations et ASBL, dont la Société Royale Belge d'Entomologie. Donc j'ai fait ça il n'y a pas longtemps et il faut que je la fasse imprimer, il faut que je trouve un imprimeur pour imprimer les posters. Et d'habitude, je fais appel à un super gars qui était avant près d'ici, à pied. C'était pas cher, il faisait des impressions très belles. Il prenait le temps de bien choisir le papier, de voir avec moi qu'est-ce qu'on voulait faire. Il était très précis et super sympa. Et en fait, ça a changé de nom. Donc je crois que ça a été repris. Donc je lui ai envoyé un message, enfin un mail, pour un devis. Mais je lui ai demandé, oui, mais vous êtes encore vous travaillez encore ou ça a été repris le lieu, enfin voilà. Donc j'attends, j'espère qu'il est toujours là et que ça a juste changé de nom et de branding et que c'est toujours le même gars parce que je trouvais qu'il faisait du bon boulot. Bon après, le nouveau site est bien foutu, donc je pense que ça peut être bien. C'est juste que ça sera peut-être pas le même genre de prix. Je sais pas trop. Voilà. Ça, c'est chiant. Et là, je vais commencer à rentrer. Parce qu'il fait nuit. Et que j'ai fini le boulot que je devais faire pour aujourd'hui. Donc voilà. Salut! Le monsieur que j'aimais bien est parti à la retraite. Je suis trop triste. Donc, ça a été remplacé par un autre organisme, mais qui travaillait déjà apparemment en collaboration avec lui. Donc voilà, on verra. Oula, ça glisse. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer avec le nouveau. En tout cas, il a l'air sympa. Donc voilà, j'espère qu'ils font toujours le même genre de prix et de qualité. On verra. Thank you.
Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qui était un peu plus plan-plan que d'habitude, pour le coup. Je me suis dit qu'un petit vlog, ça pouvait être chouette aussi. Voilà, j'espère que dans le prochain, il y aura quand même un peu plus d'illustrations, de création de dessins, etc. Ma fin d'année n'a pas été extraordinaire, donc au final, à filmer, il n'y avait pas grand-chose, mais voilà. J'espère que vous avez apprécié, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne année. And I used to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. And I used to sit and wonder why, babe, I never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling home, but don't think twice, it's alright. And I use in turning on your light, babe, the light I never loaned. And I use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. There was something you could do or say, try to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice, it's alright. And I use in calling on my name, God, like you've never done before. I can't hear you anymore. I've been thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. So don't think twice, it's alright. Walking down the road, babe, where I'm bound, I can tell. Goodbye's too good for word, babe. I just say.